et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, croyez ou non, nous, nous vous souhaitons beaucoup de santé, de réussite et de protection. Moi et le Père William et le Père Philippe, nous vous souhaitons une bonne fête de Pâques, pleine de santé et de réussite pour vous tous. Jésus est ressuscité, alléluia. Le Christ est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Louez soit son nom. Amen. Jésus annonce sa mort. Et sa résurrection. Ils le feront mourir et le troisième jour ressuscitera. C'est Pont Pilas, procurateur de Rome, envoyé par Jules César. Il a donné l'ordre pour que Jésus-Christ soit crucifié. Bien sûr, nos amis juifs ne pouvaient rien faire, étaient d'accord. Et Jésus, de temps en temps, dérangeait même les Romains, même nos amis juifs, comme Jésus a dit dans l'Évangile, chapitre 4, verset 22, « Le salut vient des Juifs ». Ce salut, c'est vraiment le Christ notre Seigneur. Nous remercions les Juifs qui nous ont donné la Vierge Marie, Saint Joseph, les Saints Apôtres, Saint Pierre et Saint Paul. Louez-soit Jésus-Christ. Amen. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 5, verset 29, Jésus nous dit quelque chose. Ne vous étonnez pas de ceci, car le temps vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui auront fait de bonnes œuvres sortiront des tombeaux pour ressusciter à la vie. Mais ceux qui en auront fait de mauvaises en sortiront pour ressusciter à leur condamnation. Posons chacun de nous de bonnes actions, d'être charitable, d'être tolérant, d'être beau, d'aider les autres, de ne pas critiquer les autres. Même si les autres vous critiquent, soyez tolérant, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La résurrection de Jésus-Christ dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 28 verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, toutes les femmes doivent être honorées parce que la Vierge Marie nous a donné Jésus-Christ. Il y a énormément de braves femmes. Femmes, soyez modèles, et vous allez former votre famille. Gentiment, pour vous, l'ange disait, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, écoutez bien. En effet, il est ressuscité comme il avait prédit, comme il avait dit. On a compris maintenant. Dans les actes des apôtres, chapitre 2, verset 14. Saint-Pierre, debout avec les anges, avec les onze disciples que Jésus avait choisis, dit à la foule Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes des témoins, tous. C'est formidable le témoignage de Saint-Pierre. Saint-Antoine de Padoue, mort en 1231, nous dit les médecins spirituels, à l'aide de leur art médical, de la pénitence et de la confession, ressuscitent ceux qui sont morts dans le péché. Trois choses aident à ressusciter une lecture fréquente, une exhortation fervente, un exemple puissant. Nous devons être exemple et modèle pour tous. Même si nous autres, même si les autres nous attaquent, nous devons les aimer. Voici la ligne de conduite pour celui qui veut réussir à la vie. D'abord, il doit ressusciter du péché, il doit abandonner le péché, la haine, la jalousie, en le détestant et en le haïssant. En second lieu, il doit s'humilier dans le repentir. Repentez-vous, humiliez-vous, faites pénitence. Repentez-vous. Re, le repentir dans son cœur. En troisième lieu, il doit parler dans la confession. Confessez-vous. Personnellement, je préfère mille fois quelqu'un qui se confesse qu'un homme qui ne veut pas se confesser. Au moins, celui qui se confesse, il est honnête et loyal. Celui qui ne veut pas se confesser, celui qui ne veut pas dire ses fautes, ses manquements, c'est un orgueilleux, c'est un vanito. Jésus a dit Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Chapitre 20, verset 21-23 dans l'évangile Saint-Jean. L'homme a pu tomber de lui-même. Mais jamais par lui-même, il n'a pu ressusciter. La Pâque, en hébreu, signifie passage parce que ce mystère nous a fait passer du mal au bien. Ressusciter de la mort du péché, c'est le privilège des bienheureux. Qui que vous soyez, soyez heureux sur la terre. Après le baptême proclamé par Saint Jean-Baptiste, Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, Jésus-Christ, il faisait le bien. Le chrétien, même tout l'homme, tout homme, là où il doit passer, il doit faire la gentillesse, doit faire le bien. C'est notre devoir pour chacun de nous, faire le bien, haïsser le mal. Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. C'est la faute de Ponce Pilate, procurateur de Rome, qui a donné l'ordre envoyé par Jules César. Pour envahir Jérusalem, c'est Pompée qui a envahi par Jules César. Il a envahi Jérusalem, il a persécuté les Juifs, c'est Pompée. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner. Tout homme qui croit en lui, en Jésus-Christ, reçoit par lui. Le pardon de ses péchés. C'est formidable, c'est merveilleux, c'est magnifique. Dans le psaume 117-118, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est maintenant la pierre d'angle. Saint Paul lui dit il intervient immédiatement, vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en Célébrons la fête, ne pas avec la perversité, avec la haine et le vice. Reconciliez avec votre voisin, reconciliez avec vos amis, pardonnez-vous les uns les autres. C'est ça, nous devons célébrer la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais avec la droiture et la vérité et la bonté. La vérité toujours est sainte. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. Dis-nous, Marie-Madeleine, Jésus-Christ a chassé cette démons de vous et vous êtes converti totalement. Qu'avez-vous, vous, en chemin? Dites-nous la vérité, Marie-Madeleine. Nous vous estimons parce que vous êtes converti. Au Christ notre Seigneur. Marie-Madeleine répond Je vous les anges, ces témoins, le Christ mon espérance est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Pitié de nous tous, Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur, pour l'humanité. Pitié pour nous tous, tout particulièrement, cette époque troublée, cette jalousie, cette maladie contagieuse, chassez-la du monde, guérissez tous les malades, Seigneur, et vous tous qui vous m'écoutez, ne tombez jamais malade. Ayez la paix et la santé pour vous. Marie Madeleine se rend au tombeau. Mais l'ange prit la parole. Pour vous, n'ayez pas peur, Marie-Madeleine. Vous êtes une femme extraordinaire. Vous êtes l'avenir de l'humanité. Vous nous avez donné Jésus-Christ, vous femmes. Respectez votre famille, votre mari. Vous les mariez, respectez votre femme, vos enfants. Éduquez-les chrétiennement, civilement, catholiquement, religieusement, et vous ne perdez rien du tout. Car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité, comme il avait dit lui-même dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 28, verset 5. Dimanche de Pâques, les femmes vont au tombeau. Les femmes, courageuses, mais les hommes avaient peur. Femmes, vous êtes l'avenir du monde. Vous êtes la lumière du monde. Regardons comme ineffable l'espoir que la véritable résurrection de la chair, qui a eu lieu d'abord dans le Christ, nous est aussi réservée à nous-mêmes. Enlevez l'espérance de la résurrection et toutes les pratiques de piété disparaissent complètement. Si vous niez la résurrection, vous niez le christianisme. La prédication, s'il n'y a pas de résurrection, toute la foi tombe. S'il n'y a pas de résurrection, la prédication est inutile. S'il n'y a pas de résurrection, alors le Christ n'a pas ressuscité aussi. Oui, Jésus est ressuscité. Nous en sommes des témoins, disait Saint Pierre. Vous êtes morts en Adam, ressuscités dans le Christ. Nous ne pouvons revenir à Dieu que par l'humilité. Soyez humble et simple. Méfions-nous de l'orgueil, de la vanité, de dire je sais tout, l'autre ne sait rien. Chacun de nous, nous ne savons rien, mais nous allons apprendre, comme disait Socrate. L'homme doit ressusciter du péché de volonté, du péché d'action, du péché de l'habitude mauvaise. Avez-vous péché, madame, monsieur, mademoiselle, jeune garçon, jeune fille? Arrêtez-vous, corrigez-vous, repentez-vous. Une minute de sainteté, ça vous vaut les péchés du monde entier, le plaisir du monde entier. Dans chaque plaisir, l'être humain a des problèmes, des malheurs, des chagrins. Regrettez maintenant, avant et pas après. L'homme doit ressusciter. Respire, pécheur, respire. Ne désespère pas, espère. En celui que tu as fui, invoque humblement celui que tu as orgueilleusement provoqué. Espérez, ne désespérez jamais. Que personne ne, dises, ne désespère jamais de la miséricorde de Dieu, mais qu'on relève promptement de la sueur du péché. Saint-Pierre, 1er Épître, nous dit, chapitre 4, verset 15, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou comme voleur ou comme calomniateur, méfiez-nous de calomnier les autres, de critiquer les autres, de montrer les autres du doigt. D'abord, nous d'abord, nous devons nous corriger, et après doucement, doucement, on peut être exemple pour les autres, pour les corriger. Ou comme un qui convoite le bien d'autrui, mais s'il souffre comme chrétien, eh bien, il n'a pas honte. Chrétiens, réveillez-vous. Soyez bons, soyez tolérants, soyez gentils, soyez croyants. Ne tombez jamais dans l'incroyance dans les actes des apôtres chapitre 10 verset 38. Et nous, les apôtres, nous sommes sur la mort et la résurrection de Christ. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois de supplice. Il est ressuscité le troisième jour. Il est écrit dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. Le jour de la résurrection du Christ est la vie des morts, le pardon des pécheurs, la gloire des saints. Soyez saints, si vous ne l'êtes pas, devenez-le, disait Saint Bernard. La sainteté pour les chrétiens, c'est le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque du Christ est le royaume du ciel, le salut du monde, la vie des croyants. Chrétiens, ne tombez pas dans l'incroyance, la ruine de l'enfer, la gloire des habitants du ciel. À vous tous, je souhaite vraiment. Le paradis éternel, le paradis céleste, la résurrection des morts, le témoignage de la résurrection divine, le prix de la rédemption humaine. Humain, ne soyez pas inhumain, soyez humains. La notification de l'abolition de la mort. La résurrection du Christ est notre espérance. Son ascension au ciel est notre glorification. Un seul est ressuscité pour ne plus mourir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, Lazare a été ressuscité par le Christ, mais il est mort. Lazare est ressuscité, mais pour mourir encore une fois. Le Christ est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Le Christ est vivant. « Ceux qui auront bien fait sortiront du tombeau pour la résurrection de la vie, mais ceux qui auront mal fait en sortiront pour la résurrection du jugement. » Dans l'Évangile, saint Jean, chapitre 5, verset 28. Comment Comment les morts ressusciteront-ils Point d'interrogation. Avec quel corps reviendront-ils Point d'interrogation. Imbécile, insensé, ignorant que vous êtes. Ce que vous semez ne prend point vie s'il ne meurt pas auparavant. Vous semez les blés, l'ange, eh bien, ils sortiront. Osez le prophète, chapitre 6, verset 3 nous dit Le Seigneur nous rendra à la vie et nous vivrons en sa présence. Le Créateur du monde qui a fait l'homme. Dès sa naissance, vous rendra dans sa miséricorde l'âme et la vie. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Parmi toutes les merveilles de Dieu, qu'y a-t-il plus merveilleux que de ressusciter les morts Toute l'espérance des chrétiens repose sur la résurrection des morts. Après la résurrection des morts, ce qui vivra ne mourra plus. Ce qui sera guéri ne sera plus malade. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, que vos problèmes soient solutionnés. Ce qui sera guéri ne sera plus malade. Ayez la paix et la santé pour vous tous. Ce qui sera guéri ne sera plus malade. Ce qui sera rassasié n'aura plus ni faim ni soif. Ce qui sera rajeuni ne vieillira plus jamais. Nous devons respecter les vieillards en même temps. Hommes et femmes. Le juste ressuscitera pour juger. Le pécheur pourrait être jugé s'il n'est pas converti, s'il n'a pas fait la pénitence. L'empire pour, pour être puni sans jugement. La racine de toute bonne œuvre, c'est l'espoir de la résurrection, car l'attente de la rétribution élève l'âme à l'espérance. Espérez, ne désespérez jamais. Dans le désespoir même, ne soyez pas découragé. il y a espoir dans le désespoir même. La résurrection de Christ produit la vie des morts, le pardon des pécheurs. Pécheurs, avancez, repentez-vous, vous allez recevoir le pardon, la gloire des saints et des saintes. La résurrection de Christ est la vie du monde entier. Le monde, disait Voltaire, corrompre pour être corrompu, voilà le monde. Méfiez-vous du monde et de ses plaisirs. Le Seigneur est ressuscité des morts le troisième jour, en dépouillant l'enfer, en écrasant l'ennemi. Même nous autres, si nous avons des ennemis, nous devons les estimer, les aimer, parce que Jésus a dit Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent en obéissant la mort. Et en abolissant la mort, le Seigneur est ressuscité des morts le troisième jour en dépouillant l'enfer, en écrasant l'ennemi, en abolissant la mort, en brisant les chaînes du péché. Le Christ est mort et ressuscité pour commander aux vivants et aux morts. Les morts ressusciteront. Les boîteaux seront agiles à la course, les attendront les aveugles verront et les mouets parleront. Tout le problème du christianisme, toute la joie du christianisme, toute la fête du christianisme, toute la réussite du christianisme, disait Tertullien, repose. Sur le dogme de la résurrection. La conférence des chrétiens, la confiance des chrétiens, c'est la résurrection des morts. Toutes les fois que l'on passe du libertinage à la chasteté, de l'avarice à la libéralité, de la colère à la mansuétude, méfiez-nous de la colère, méfiez-vous d'être avare. Soyez généreux pour les malheureux, pour les abandonnés, pour les pauvres, pour les mal logés, mais à condition que vous ne soyez pas trahis par ces gens-là. Souvent, quand on fait le bien, on, nous sommes trahis par ces personnes. Mais vigilance et prudence, pas naïf et pas distrait. Oui, toutes les fois que l'on passe de libertinage à la chasteté. De l'avarice à la libéralité, de la colère à la mansuétude, il s'opère une résurrection présage de la résurrection future. Il faut mourir au démon et vivre à Dieu Tout-Puissant. Il faut rompre avec le péché pour ressusciter à la justice. Quand, par exemple, nous conseillons quelqu'un. Quel qu'il soit, parce qu'on aime bien, nous l'estime. Si nous conseillons un petit peu la vérité ou un tout petit peu sévèrement, ne doit pas être fâché. La sévérité et la justice même, et l'amour de Dieu même, et l'amour du prochain même, pour qu'on ne tombe pas dans les pièges de Satan. Que quiconque est méchant, se prosterne avec Saint Paul dans le mal. Saint Paul, il persécutait les chrétiens dans le mal, mais après il s'est converti, il aimait les chrétiens et il disait la croix de Christ est mon orgueil, il a donné sa vie pour la chrétienté et il était décapité à 67 après Jésus-Christ par Cinquième empereur d'Oron, Néron. Néron. Il tomba persécuté, acharné, et il se releva le prédicateur de la vérité dans notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà Saint Paul. Il s'est converti. Convertissez-nous. Convertissez-vous. Ne soyez pas appliqués. Ne soyez pas orgueilleux. Ne dites pas « Je sais tout ». Nous ne savons rien. Nous devons... Lire la Bible, le Saint Évangile ou d'autres livres, bien sûr. La vie des saints et des saintes. Appliquons-nous à ressusciter spirituellement de la mort de l'âme, encore par le péché, à la vie de la justice, qui s'inquiète par la pénitence. Pourquoi restez-vous couché Vous êtes descendu au fond de l'abîme. C'est maintenant qu'il faut ressusciter tout ce qui m'a rejeté de vous. Ressusciter du péché, c'est pour l'homme recouvrer les biens qu'il avait perdus en péchant. Pêcheur, ne pêche plus. Je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. On ressuscite de l'infidélité à la foi. Ayez la foi. Raison imbécile, disait Pascal, de l'infidélité à la foi, des vices aux vertus, du désespoir à l'espérance, de la cupidité à la charité, de la mort à la vie. Je crois intimement que ceux qui sont morts après une vie courte seront rétablis dans la pénitence de la vie. La mort que nous redoutons et que nous repousons interrompt la vie, ne l'enlève pas la vie. Il viendra encore un jour qui nous rendra à la lumière. C'est parce que la résurrection a eu lieu le dimanche que nous fêtons ce jour. Le dimanche a été consacré par l'empereur Constantin le Grand. En 321, depuis là jusqu'à maintenant, le jour du Seigneur le dimanche est sacré de ne pas travailler le dimanche. Travailler le dimanche affaiblit l'homme, ça porte malheur. L'argent que vous gagnez le dimanche, certainement, certainement, va être contre vous. De même que les juifs, nos frères, célèbrent le samedi en mémoire de la création primitive. La résurrection du Christ n'a pas dû être ajournée jusqu'à la fin du monde, ni être trop hâtée afin de faire briller la puissance de la divinité et de faire admettre la certitude de la mort par le délai des trois jours. Pêcheurs, convertissez-vous, qui que vous soyez. Ici, Monseigneur Boniface, charles clément Boniface d'IP Samuel. Il souhaite pour vous la paix, la santé, la réussite et beaucoup, beaucoup de protection pour que vous ne tombiez pas malade. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes triste, nous prions pour que vous ayez la joie. Si vous avez des problèmes dans la famille, la paix de Christ soit dans la famille, entre vous et votre femme et vos enfants, entre vous et vos amis. Soyez de vrais chrétiens, quoi qu'il arrive, vaille que vaille, coûte que coûte. Et nous prions pour que cette maladie contagieuse quitte le monde. Qui que nous soyons, Seigneur Jésus, protégez-nous de toute angoisse, de toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Jésus-Christ, protégez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Nous prions en même temps pour les infirmières, pour les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, qu'ils soient protégés de tout mal, de toute angoisse, de toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Dominus Vobiscum, Bénédicat vos omnipotens Deus, pater et filius. Espiritus Sanctus, indulgenciam, absolutionem et remissione peccatorum nostrorum tribuat nobis Omnipotens Misericors Dominus. Amen. Soyez heureux, heureux sur la terre, vivez longtemps et bien. La paix de Christ soit avec vous. Bonheur et joie et santé pour vous tous. Amen. Louez soit Jésus Christ.